Ah ouais, en plus cette saloperie de changement de dynastie m'a fait tomber l'unité de la Horde à 40. Ah oui, bah oui, du coup, oui, c'est urgent là, non? De Pas faire du la tout, du guerre coup, à la l'armée qui Moscovie, brûle. oui. Brûle là, non? Ah oui, non, il faut un petit pillage, quoi. Non, en plus, toutes ces... il sera bien, bien malaxé avec sa guerre contre Novgorod qui semble durer. Il aura très peu de MP. Ah, moi je dirais Ah, la guerre est finie avec le temps? Ah non. Non, ça continue. Et le Timuride a du mal à battre l'Ouzbek, hein? L'Ouzbek, non, le Kara. Non, mais il y a aussi une Ouzbek. guerre Timuride-Ouzbek. Ouzbek, Timuride, Ouzbek. Timuride, Ouzbek? Oui, le Timuride attaque Ah l'Ouzbek depuis tout à l'heure. oui. Oui. Ah, je pensais pas que le Timuride galérerait autant. Mais c'est pas plus mal, hein, faut qu'il s'épuise et qu'il éclate. Mais c'est ça, même s'il grossit un peu, quand il conquiert des régions qui sont pas de sa culture, pas de sa religion, en fait ça l'affaillit et finit par exploser. Oui, et puis son unité de la Horde, elle descend deux fois plus vite que la Ah! nôtre. Vous avez des thunes à me passer? J'en ai un J'ai peu. 50 ducats, ça suffit. Il me faudrait 50 ducats leader si tu les as. Comme ça, 100 du cas? l'euro. 50, 50. T'en envoies 50 aussi ou pas? Non, pas besoin, pas besoin. Ah, ça fait du bien. Voilà, renaissance chez moi. Ok, Ah bien, cool. ça se répand chez nous rapidement. Yep, ouais. Bah, ouais. Enfin, ça dépend à quelle vitesse ça se répand chez toi en fait. Voilà, c'est ça. Et comme vous êtes lent chez moi. Ah, c'est de Kazan qui est chanceux. Bah, en fait, je suis passé de 0,19 à 0,20 par mois, donc j'ai gagné un an. Même sur les provinces frontalières? Frontalière de sa Les province? provinces frontalières, c'est de la merde, donc c'est. Mais non, regarde, t'as 0,95 sur ta province frontalière. Ah oui, mais c'est quand même 1511. 0,95 et 0,66? 491, c'est quand même dans plus de 20 ans, ça. Ouais, certes. Je tiens à vous dire, messieurs, que le Ming se porte particulièrement bien. On le voit. Oui. Voyez, Il a même un peu il a grossi. grossi. Ah oui, il a grossi, hein, ouais. Bon, je vais pas avoir le choix, je vais devoir aussi faire comme vous. Faire comme nous, c'est-à-dire. Bah monter province. À 33 de dev à ma capitale. J'ai. Alors c'est quoi intéressant? C'est-à-dire, je peux officiellement dire que c'est plus riche que Constantinople, mais non. 42 de dev, Constantinople. Mais il y a des centres de commerce à Constantinople. Oh, j'ai les Renaissance avant la Pologne quand même. Alors ma catastrophe est longue. En plus, elle avance vite. Ah oui, j'ai plus 1 parce que le dirigeant est à admin inférieur à 1. Plus 1 parce que le dirigeant a militaire inférieur à 1. Donc ça avance de Oh 2 par mois. l'horreur. Horreur. Ah bon, au moins, c'est sûr quoi, c'est impossible d'y échapper. Attends, le nombre de terres minimum que demande la tribu augmente avec le niveau de Le dev, développement? bien sûr. Moi, quand j'ai développé ma province, du coup, les tribus ont demandé plus de territoire. Oui, non, mais là, c'est qu'en gros, à la base, les tribus veulent 25% des terres. Sauf que mon dev a dépassé un certain niveau, je crois. Du coup, elle demande 30%, et non Oui, plus c'est ça. 25. Bullshit de merde, tribu à la con. Je vais aussi adopter la Renaissance, mais je suis pas prêt de passer mes techs du coup. La bonne blague, c'est que dans 20 ans, on a la prochaine truc qui pop. Oui, bon. Alors celle-là, pour l'avoir, je trouve que ça va être dur. Bien. Nous allons gérer au fur et à mesure. Ouais. Ah, bon, en faisant du dev vertical, l'Ouzbék n'est plus un rival valide. Ah ouais?
On se fait la Moscovie? La trêve est finie. Je sais pas en fait. Nijni Novgorod, Kazan, Horde d'Or, non. Non, décembre. Encore quelques mois. Je commence à remonter ma maintenance. Je peux passer vitesse 3 s'il se passe rien. J'essaie de gratter un peu de temps. Tiens, ouais. On va bien voir. La guerre dure toujours au sud. 28% ouais. Ah, je crois que le Kara est en train de plier. Oui, le l'Ouzbek aussi est en train de plier. Bah, mais le Timouride a eu des révoltes. Il y a des rebelles perses, mais bon. Il y a des rebelles chiites et perses. Ouais, mais c'est sûr d'un fort qu'il est donc. Ouais, mais, ouais, mais les troupes Timourides elles sont loin. Ouais, elles arrivent là, progressivement. Et au vu des provinces, il y a au moins 3 pops de rebelles différents. Deux. Deux? Même Hormuz là au sud? Ouais, ouais, il y a 26 000 au sud et 10 000 au nord. Les 10 000 au nord vont s'écraser là dans pas longtemps. J'ai rien dit, c'est pas sûr. Ouais, non, si on s'est écrasé par le nombre. Par contre, c'est au sud, il y a galère les Timourides. Hein. 26 000, ouais, ça fait beaucoup. Bah, après, il est sur un fort. Hein. Ça y est, la trêve a expiré. Ah mais le Kara il avait commencé le siège de la capitale et il l'a laissé tomber. Tu veux que je lance la guerre d'humiliation? Oui. Je t'appelle, c'est là ou quoi? Non. Non, ça finit nécessaire, mais non. Non, surtout qu'il est en guerre, je pense que... Maintenant c'est faible... Donc je fais carrément la guerre humiliation d'un rival, c'est ça? T'as fait ça? Non mais je pose la question. Bah, humiliation à rival, ça fait qu'on pourra rien prendre d'hôte, hein, je crois, si tu fais guerre d'humiliation. Tu pourras pas prendre de terre. Bon, conquête tribale. Oui, conquête tribale, et dedans on fera une humiliation. Horde d'or, c'est parti. Bah, du coup, ces troupes doivent être à côté du. Oh, dommage. Non, il va les défoncer, les rebelles. Mais depuis qu'ils sortent de fort, Dider, pour Timurid, c'est beaucoup plus simple, hein. Ouais mais il finira par péter, il finit toujours par attention, péter. Attention, j'arrive, je suis un peu loin par contre. Ah, merde. Ah putain il vient vite. J'arrive mais le temps de tout traverser là. C'est de la forêt cette saloperie. Avec tes 10 000 ça va passer le temps que j'arrive. Je pense. 22 avril. Oh les perfs qu'il te fait Il me fait mal. Allez. Ah non, putain merde, je vais arriver un poil trop tard. 9. Le 9, ça sera fini. J'aurais gagné la bataille, mais avec beaucoup de pertes. Ouais, tu vas gagner, mais avec beaucoup de pertes, là. L'Autriche, j'ai plus de grande puissance. Je poursuis ou je fais le siège de Moscou? Si t'as moyen de le wiper, ce serait bien. Ouais, essaye de voir hein, si t'as moyen de le choper. J'espère qu'il va pas partir au fin fond de la Russie, là. Je vais commencer le siège de Moscou avec cette armée. Et laisser mes troupes se repeupler. Et ça se diffuse bien chez toi maintenant, hein, le Kazan. Je sais pas si t'as vu. À côté de ma capitale. Bah, en fait, je vais adopter la Renaissance. Là. Ça y est, j'ai monté une province à 97%. Juste encore un coup de dev et c'est bon. Ça y est, adopté. Non, pas paye. Adopté. Et... non, j'ai les thunes. Et c'est propagé, attention. Non, ça y est, j'ai adopté. Ah ok, ah putain t'as pu avec si peu de provinces, ok. Bah je l'ai monté à 35 de dev aussi, ouais. T'as déjà monté ta capitale hein, gros nanon. La capitale c'était du blé. Ah mais c'est quoi donc on va gérer en point. Ouais, autant faire ça sur une province qui rapporte, je sais pas. Demande d'accès de Novgorod, tiens, oui. Ah tes vassaux l'ont chopé. Tes vassaux ont perdu. Ouais, je suis arrivé trop tard. Oh non, mon commandant qui meurt en pleine bataille, d'accord. Et le conseiller militaire, d'accord. Bon ah, t'avais moyen de te payer un conseiller militaire quand même. C'est le seul conseiller que j'avais pris. Moi j'ai conseillé admin et tout. Hein. Ah, tu sais que sans. T'as retrouvé un moyen sans général et j'ai peut-être paumé à cause de ça.
T'as gagné? Ouais, mais pas de beaucoup. Et après, là, il va sur de la... encore sur de la forêt. Je suis tombé à 37 en unité de la horde. Oh putain. Ouais, toujours avec cette succession à la con, quoi. Ouais, qui brûle, il arrive son compte aux rebelles, hein. À tous les rebelles? Ouais. Il a bouffé quoi sur l'Ouzbek? Ouais, pas encore fini, hein, la guerre. Ah merde, je croyais qu'il était fini, mais il n'y a plus rien occupé. On a profité pour récupérer ses terres, l'Ouzbek. Ou puisque Timon a replié. Ah non, leader, la poursuite en fait c'est un plan foireux parce que je me retrouve en forêt, il a une tech militaire d'avance donc je me fais ouvrir en deux, quoi. Ah ouais, bon bah, laisse tomber. Si tu n'en as pas la force, abandonne. Ah, Timon va perdre une bataille contre l'Ouzbek là, je crois. Ouais, c'est ça. Il a du mal, hein, alors qu'il a beaucoup plus d'hommes, il a du mal. Ah, oh, mais là, il a perdu du temps, il a perdu l'avantage. Ah, mon unité de la horde remonte grâce à tous ces pillages. J'en fasse quelques-uns aussi. Moscou, dealer, du coup, là Bah, je la siège. Ah, tu irais la prendre dans la paix? Ou la prendre... Tu la rases, tu la rases, tu la donnes qu'à Ryazan, non? Ce serait une bonne solution. Après, il faudrait que je remonte mon unité aussi. La première grosse capitale européenne va tomber. On a des hordes. Grosse, elle est à 17 de dev, hein. Ah, c'est à l'époque, oui, Moscou, c'est pas encore quelque chose de bien grandiose. C'est le symbole. Oh, félicitations à la Crimée qui vient de passer féodal. GG. C'est bon. GG, comme on dit chez nous. Que ça, la Géorgie m'a annoncé comme son rival. Ah, elle s'est libérée? Ouais. Alors, ah, c'est pas. Au final, c'est pas mal ce qui s'est passé. La Géorgie s'est libérée, mais le Kara n'a pas perdu de terre. Ou pratiquement pas. Il a perdu Ezrikan, mais c'est ce qui était un corps ottoman. Mais sinon, il a pas perdu grand chose. Hein. C'est bien. J'avais peur que l'Ottoman te dévore la moitié de l'Irak d'un coup, quoi. Ou quelque chose dans ce genre-là. Ouais, d'accord. Ah, ok. C'est quand que je verrai l'Europe, moi, en fait, parce que... Tension entre nomades et sédentaires. Tu peux mettre un espion, genre, au lituanien, et lui voler les cartes. Ah, c'est pas bête, ça. Faut que tu passes des troupes chez Leader, par contre. Mais non, mais attends, et vous pouvez pas donner les cartes? Si, peut-être, demande-nous. Après, moi, je vois pas très loin, aussi. Faut que j'aille tuer des... D'ailleurs, comment tu fais pour donner une carte à quelqu'un? C'est une option, faut regarder. Attends, je vais devoir abandonner le siège de Moscou. Pour aller tuer des rebelles. M'intéresse, moi, Dider. S'il y a l'armée... toute l'armée russe qui revient... Bah, mets-toi à côté de Moscou, hein, mets-toi à côté de moi. Bah, je suis juste à côté, je... Le temps qu'elle tombe. Parce que là, je vais faire face à un soulèvement. Oh, d'accord, il se revient. Hop. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû accepter tout de suite. Oh putain, oh, les rebelles, dis donc. Oui, c'est un événement, c'est pas une révolte. C'est pas une révolte, c'est une révolte événement. Comment on donne les cartes? On peut donner ou demander? Attends, c'est dans économique peut-être? Ou clandestine? Ah, à moins qu'on puisse que les voler. Demander les cartes, si, c'est dans économique. Il faut être en paix. Il faut être en paix, c'est dans économique tout en bas. Ah oui, t'es en paix, d'accord. Tu as que 5000 hommes ou c'est là? Pour le moment, oui. Il s'est passé quoi? J'ai viré mes 6000 mercenaires que j'avais et qui pompaient beaucoup de troupes. Je vais faire des troupes régulières dès que j'aurai assez d'hommes. De gold, pardon.
Boum. Et de 1. Attends. Oh. Bon, allez, Oh je tente. putain. Ça devrait être bon, Ah, c'est du attends, plat. j'ai une révolte qui a popé pile sur les troupes russes. Ouais, Hein? ils a vaporisé. Ils ont vaporisé, mais tant mieux, quoi. Il a Il fait t'a du mieux. tué. C'était des paysans de Nijni Novgorod? Yeah. Ah, il faut après, si je peux ici, il faut demander des cartes et j'en ai pas. Ah mais du coup ouais, Novgorod a bouffé quelques terres russes. Prestige positif. À moins de... Ouais. Moins 2. Ah, mais ça va, tu veux bientôt repasser à 0. Merde, le 6 août, le 2 août. Ah, putain, il... Bande d'enfoirés, bande de lâches. Unité de la Horde est remontée à 40. Youpi, j'ai gagné 3 points. Gagné 1 de stabilité. Oh oui. Non. J'ai le choix entre gagner 30 du K ou 1 de stab. Je Oh pense que bah le choix oui, est vite fait. là. L'or, c'est tellement important. Poum, la thune. Récolte abondante, nous sommes bénis. Gain de 50 ducats. Cool. Donc on est sur une pente favorable au niveau des événements là. Oui, ça va pas durer. Oh. Ce pessimisme. Ah, Moscou est tombé. Ouais. J'ai commencé le siège de Yaroslav. À 10 heures, hein, non? De quoi? Oui, non, c'est pillé quand tu. Un fer tombe, bah c'est pillé, c'est vrai. Oh oui, non, ça a été pillé depuis longtemps à Moscou. Là, je vais aller piller Vladimir. Ah, mais ça. Non, merde, j'allais déjà piller aussi. Faudra peut-être aller péter le Moscovite avant qu'il achève le siège de Kazan, quand même. Ta capitale? C'est la steppe? Oui, c'est la On pourra steppe. l'écraser alors. Bah, dès que t'es là, tu ramènes tes troupes et on y va à deux. Ah, objet Serbie à Rosens avec Byzance. D'accord. Il n'y a rien sur la province Ah oui, Byzance Vladimir. existe toujours? J'avais pas Oui, vu. en Grèce. Pas plus pour longtemps, je pense, mais. Bah, ça fait longtemps que l'Ottoman aurait La pu mission l'achever, il ne l'a pas fait, hein. conquérir le sud de la Grèce. Donc, Ah, mais depuis combien de temps? Byzance, ça fait partie un des rares pays que j'aime bien jouer en solo et j'ai enfin fait une partie qui se Où passe bien. t'as réussi à battre Oui, l'Ottoman? j'ai récupéré toute la Grèce et je suis en train de le virer, l'Anatolie. Ça fait? Il faut aller le péter, les murs sont cassés surtout. Bah, Ok, en ok. fait, j'ai pu m'allier direct avec Autriche-Pologne. J'ai mis Waouh! la. T'as de la Ah, chance t'as d'avoir pu? pu faire T'as eu ça. de la chance, hein? Ah Bah, en oui. fait, il faut avoir de la chance sur Evo et il faut pouvoir prendre le conseiller diplo. Si tu as ça, normalement, ça passe. Oh, ça m'énerve ce truc de... Hors de dehors, monsieur Yannick, tu Ah! veux La dire? Pologne m'a déclaré la guerre. Bah, par contre, je vais peut-être devoir... faudra qu'on fasse une paix rapide, hein. Ouais, bah je te propose l'humiliation à la. À la guerre! Ah, par Ouais, contre, je il y a peux le choix qui est que l'humilier, toi. c'est tout. Bon, bah. Je peux l'humilier. Et attends, tu veux une province peut-être? Il va jamais accepter. Essaye de voir s'il me cède une province. Ça m'étonnerait. Alors, non. Bon, bah, Une humilie-le, province humilie-le. de merde, il est d'accord, je peux prendre une province de merde. Mais pas les deux que tu Bon, occupes. bah, humilie-le, humilie-le et allons-y vite. À la guerre! Bah, tiens, je m'humilierai la Pologne pour avoir osé m'attaquer. Je crois que c'est mon rival. On s'organise comment? Je sais pas, moi j'entends de recruter des hommes du coup, parce que voilà. Bah, on se regroupe, venez tous les deux sur mes terres, on se regroupe et on lui saute dessus, on le wipe dans la steppe. Hein. On évite les combats en forêt, on engage sur plaine et on l'éclate. La Lituanie est tech 6, ça va être chiant. La Pologne est tech 6 aussi. Je suis loin de passer à la tech Le 6. Danemark me propose des troupes. Tu t'en? Si t'as les sous. Ah, je peux passer à la Renaissance, moi. Ce qui me permettrait de Ah. passer à tech. Ah Ah, bah bah vas-y. Par contre, ça, je claque tout mon fric. Hein. Oh J'ai bah. 100 ducats si ça peut aider en réserve. J'ai 14 ducats maintenant. Mais je peux claquer la tech. Gagner Oh! 10 de Grande tradition puissance! terrestre. Hors de l'or, grande puissance! Ouais. Allez.
Allez. Allez, leader. Il a pas osé m'attaquer. Il y a des troupes à changer, j'ai pas fait gaffe. Non, c'est bon. Ah bah, et contre de la thune, je pourrais vous mettre plus un point. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comment ça coûte chez moi, leader? Attends, on verra ça après la guerre. Oh, si j'ai la thune pour le faire avant la fin de la guerre... Faut l'engager sur une step. Hein. Ah, vous savez qu'il y a ma catastrophe aussi qui arrive, là, à échéance. Elle arrive à échéance? Ouais. Ah, c'est ce goupille, là. On peut pas l'empêcher, ça? Non. Ça, c'est de la forêt... Faut aller péter les Lituaniens quand ils seront à Liptetsk. Vous êtes, vous êtes là, vous êtes prêts? Qui me propose un truc, mais c'est trop cher. Vous êtes prêts? Ah non, je suis pas là, moi, Rien dessus, dire, je suis encore chez moi en train de recruter. Voilà, j'ai fini de recruter. Bon, après, le bon côté, c'est que du coup, on a la trêve sur Moscovite qui attaquera pas dans le dos. Et ah putain, les rebelles qui ont popé. Sur moi, directement. Ah bah c'est pas super. Non, attends, je veux fuir, moi. Le polonais, mais non, tu pètes. Mais je veux... Ouais, mais c'est la guerre civile, ça veut dire encore longtemps. Putain, ouais. Et moi, je voulais les laisser prendre le pouvoir. Bah... Ah, et il est bon ou pas, le... Non. Attends. Ah merde, mais ça me met... Bah pareil, ça me met pas ses stats. Ouais, voilà. Ah, ils ont fait ça pour éviter que les gens... Du coup, je les pète ou je les pète pas, leader? Ah, il peut pas être pire que le tien, leader, je pense. Oui, faut les envies. Mais faut qu'ils prennent ma capitale pour que je puisse changer. Ouais, le souci c'est que les Polonais vont les tuer. Quand ils vont avancer dans ton pays, ils vont. Ah, mais les Polonais vont pas avancer dans le pays là, on va y aller, on va le défoncer. Il y a 24 000 Polonais, faudrait leur sauter dessus hein, tant qu'ils sont dans de la steppe. Et que les autres sont très loin. Un bon général. Je me dirige. J'ai un 3. Voronej, hein. Il va falloir les attaquer à Voronej dès 3, qu'ils y seront. Okay. Ouais, j'ai récupéré un bon général, ça tombe bien. On va attendre que le Kazan. Voronej, je me dirige là-dessus. Ah bah il va me taper dessus. Bon, je vais à Voronej. Et tu l'engages là ou pas? C'est Stella qui s'est engagé. Et là il va me défoncer, hein. Vous savez qu'il va me défoncer. Hein. Ah, la step. Casse-toi, hein. Ouais. T'aurais t'enfuir, enfuis-toi. Ah, moi j'attends. Ah il t'a wipé. On y va. Ouais, on engage. Oui. C'est normal hein. T'es 4, c'est normal. Bon bah voilà. La paix a été faite entre... Ah ouais. Ah, tu sais que je prends cher quand même avec le changement de l'attaque de retard. Avec les 20... Ça va pas passer avec les 22 000 actuellement. L'Ouzbek a pris une paix blanche du Timuride. Putain, on est à deux doigts de le battre. Oh la vache, il va arriver juste à temps. Il arrive le combien? Merde, j'arrive pas à voir combien ils arrivent. 26. Et okay. Merde. Ah, on se replie? Ouais. Bon, du coup... Ah bah ils vont tuer mon prétendant. Oui. Ça règle le problème. Fin de la trêve avec le Kara. Putain, j'espère que le Kara va pas faire la merde. Bah, je vais le recruter. Des mercos. $50 à 3%. Oh, je prends. Hop. Du coup, si tu as un peu de temps, c'est combien? Ah merde, pour le... Putain, il m'a suivi. Ah fuck. Eh oui. Je peux pas revenir, je suis toujours en fuite. Eh bah toi, hip. Ah, ça sent pas bon. Hop. Tu peux t'enfuir le dehors? J'essaye, mais je sais pas si je suis pas sûr d'y arriver. Il va te wipe. On parle de la Pologne en plus, hein, je dis. Ah, Merco, t'es Merco, leader. Ouais, non, mais j'ai plus rien, ils sont morts. Donc, de sud, hein. Ah putain, bon. Ces pays sont forts, quoi. Ah, ouais, ça, c'est insupportable. Moi, mes troupes sont d'attaque. Je sais pas si j'essaye d'engager. Poum, j'aurais fait popper un prétendant à la gueule. Par contre, j'ai pas de thunes. Vous auriez de la thune? Je t'envoie à 100 ducats. Passe du cas. Et j'ai pas d'homme, donc je vais avoir un peu plus d'homme pour le faire. J'ai... Par contre, c'est tout ce que j'avais en stock. Je
Je vous attends avant de tenter quelque chose ou... Ouais, je recrée 8000 hommes là. Avec mes vassaux, j'ai pratiquement 30000 hommes. Ouais, ils viennent ou pas? Là, ils commencent à se coller, je leur ai donné les ordres de venir sur moi. Attends, parce que là, ouais. La tech, je leur récupérerai, putain, dans 5 ans encore. Comment ça se fait? Ah, j'ai un roi merdique en même. Il faut que l'unité de l'ordre soit de 90. Quoi? Adver a prêté des hommes à la Pologne. Sérieux là? Ouais. Ah, vous avoir peur, tu me diras, oui. Ah, la Livonie me propose gratuitement 11 000 soldats. Ah bah vas-y quoi. Dessus, hein. Bon, je commence à me rapprocher parce que là ça pue un peu. Je vais me barrer chez Stella. On pourrait peut-être essayer de les unités qui séparent, d'essayer de vaporiser un petit stack. Genre le truc qui va au cac. Là, les 6000 hommes qui s'approchent un peu trop près de moi, il faudrait les désintégrer. Ouais, je viens. Et Plonis, bon chez moi ou quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Et Plonis, bon chez moi? Oui, 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 bah, ils viennent pour essayer de me péter quoi, il n'y a pas de fort, ils peuvent aller jusque là. S'ils veulent. Ah quoi, il y a peut-être Astrakhan qui les bloque. Ah oui. À ce stade. C'est possible. Ouais. Mais ce qui est chiant, c'est qu'ils risquent de tuer les troupes que je recrute. J'essaye de les avoir ou pas? Oui, oui, hein, je t'enverrai tout ce que j'ai. Hein. Faut les virer de chez moi là. C'est de la steppe. J'ai 6000 fantassins, j'ai bientôt des cavaliers là qui sortent des usines. Allez, bonsoir. Ah, t'as des orthodoxes aussi qui pop chez oui. Toi. Ouais, mais eux, je pense que je vais les. Mais eux, c'est volontaire. Je pense que je vais laisser se répandre. Ouais, ils se barrent, ils cherchent pas le combat. Ah, merde, putain. Je vais intercepter. Du coup, je te les laisse, les rebelles. Ouais, touche pas mes orthodoxes. Avec un peu de chance, eux non plus, ils tueront pas. Voilà, on va l'attaquer. Bah, je cours après et. Oh, j'ai un event qui me donne 5 de discipline. C'est bon, je l'intercepte à l'Ipex. J'arriverai jamais à temps. J'intercepte ces 15k à l'Ipex. Bon, je suis 1 contre 2, on verra si ça suffit avec une. Oh putain, il s'est barré. Continue, hein, continue, t'arrêtes pas. C'est de la step, hein, ouais, il fallait pas. Tant que c'est de la step, continue. Ah bah, tu vas pas, je crois que tu le chopes pas. Ah, pas là. Ouais, tant pis. Bon bah, et Kaluga, c'est pas la step, hein, donc recule. Ouais, là plutôt. Est-ce que je désassiège tes territoires dehors du coup? Non, viens avec moi, viens avec nous, j'ai 1000 hommes qui vont désassiéger. Ah putain, 5 d'unités de la horde contre 25 de prestige. Bon, tant pis, je prends. Faut désassiéger mon territoire et commencer à assiéger le sud de la Lituanie. Ok. Il y a 21 000 hommes qui... Allez, c'est barre. Après, ça fait chier, c'est de la forêt, là, on est. Merde, hop, putain, j'ai failli me prendre mes rebelles orthodoxes. Ah, les troupes sont en or, j'ai essayé de... elles sont dispersées, j'ai essayé de les choper. T'es regarde, sûr de ton coup? Bah regarde, il y a 15 000 qui sont séparés du reste, 15 000 et 9 000. Où? Là, en Russie, regarde, au-dessus de Moscou. T'arrives chez mon vassal. Horde là, non, c'est pas les steppes, c'est du bois là. Non. Oui, mais je vais essayer de... Il y a des plaines aussi, pas loin. Après, je peux les poules, hein, franchement. Ils vont venir pour moi. Tu peux. Ah merde, hop, j'ai plein d'events qui a popé en même temps. T'as réussi à les péter?
Ah, tu vas wiper, Pour t'essayes de l'instant, c'est wiper sur. 9000? Là, ils sont sur de la forêt. Si t'arrives à wiper 9000, c'est pas mal parce qu'ils reviendront pas, eux. C'est des mecs qui ont été prêtés. J'engage, normalement, je peux les vaporiser, je pense, avant qu'ils reviennent. Merde. Hop. Au pire, je me replie. Allez, allez, vaporise-les. Ça, ça bah va non. pas vite, hein. Bon, je me tire. Bon, j'ai accepté des prêts de la Livonie et de l'or teutonique, hein. Pour avoir de la thune. C'est là, tu peux te mettre à tout là, pour être près de moi, au cas où on se ferait attaquer. Ah, À tout là, faudrait. ouais. Je peux faire 1000 Merco et libérer Oka, ouais, c'est l'objectif de guerre. Libérer quoi, Oka? Oh, Ouais, il c'est y a mon l'objectif armée de dessus. guerre en fait. Bon, il continue à faire le siège de mon vassal, Oh, mais. pourquoi mais il faut que mes rebelles aillent se battre avec les rebelles de Crimée, quoi. J'avoue. Ah putain, nationaliste qui en pop. Ah là. Voilà, Je retourne au sud parce que. avec la guerre civile en parallèle qui met plus 10 d'agitation dans le pays, je vais avoir des rebelles de partout. Va être l'apocalypse, hein, de ce côté-là. Bah, tu t'es rebelle, d'ailleurs, du coup. Moi je Et vais y aller. nationaliste Je veux pas. Je peux pas déloger ceux au nord, pour l'instant ils sont sortis de la Ouais. forêt. On est quand même plus nombreux, quoi, non? Ouais, on va pas avoir le choix. Alors, mon prestige, mon magnifique prestige que j'avais mis tant de temps à accumuler, qui est en train de se casser la gueule avec tous ces events à la con. Ah, les orthodoxes, ils vont dans le sud. Oh, c'est pas si mal. Ouais, dis donc. De quoi? Là, je te rebelle. Attends, 5 secondes, perte de piété. Tac. Attends, je rassemble mes armées. On y go! Non, attendez-moi, j'arrive dans quand vous voulez. On va les écraser normalement. La guerre civile met le pays à genoux. Oh, oh là là, 100 j'en ai points de mine 26. pour 10 unités de horde. Hop. Ah, je suis à moins 40 de prestige, quoi. Les events s'enchaînent si dégueulasse que d'autres, quoi. Et moi j'ai perdu deux fois moins 25 depuis le début de la Ah, guerre civile. Bon mais je après suis à c'est à moins cause de la guerre 40. civile. Je suis à moins 40 là. Donc ça remonte à. Ça va Parfait, aller quoi. pour les rebelles, où je rejoins. Normalement on les bat. Ah bien, je vais faire des emprunts là, je vais commencer à enchaîner les emprunts. Tac. C'est pas parce que je perds de l'argent, hein, c'est à cause des événements. Ah oui, là, tu t'es Bah ouais, j'ai pas plein loin. d'événements et j'essaye de monter l'unité de la Horde pour mettre fin à la guerre civile. C'est ma meilleure chance, hein, Parce que là, j'ai avoir des séparatistes de partout qui vont pop, mais vraiment de partout. Ah ouais. Gazimouk. Ah bah bien, bah si Moins j'ai le que. territoire lituanien déjà, non, je sais pas, C'est genre. de la plaine, j'y vais. J'ai 6 prétendants qui vont popper à course. Qui a qui à course? Il y a quelqu'un à nous? Non, il y a personne pour moi. Et si tu peux t'y rendre Bah, il pour y les a péter. un vassal qui est en train de m'annoncer. Tu Ça veux me que fait je gagner vienne? le faire pop, ça me fait gagner 5 unités de la horde. Bon, j'allais péter. Bon, j'augmente. J'ai peur d'envoyer mes hommes Par contre, inférieurs ouais, là. les polos lituaniens sont en train de se faire plaisir sur mon vassal. Non Ouais, mais il y a 21 000 lituaniens qui se battent dans les steppes, hein, au nord là. Oui, j'ai vu, on il y a, a les on assiège à Polonais qui Lituanien, ils vont rejoignent être les obligés de Polonais. venir. Riazan, c'est quoi? C'est de la steppe. À la limite, on pourrait peut-être aller péter les 21 000. Ah oui, ce que je voulais, mais bon. Bon, bah j'y vais, je tue tes rebelles et je me dirige vers lui. Tu penses que tu peux te le faire tout seul? Il y a une tech de retard. Hein. J'ai une tech de retard. Bah, même contre les rebelles qui sont 6000. Faut que j'atteigne 90 unités de la Horde et ça calmera mon pays. Faut que je pille là, faut que je pille absolument du T'en es lituanien. où? T'en es où là? Je suis à 83 unités de la Horde. J'ai pas wipe les rebelles. Ouais, faut que tu les poursuives, hein. Non mais je regardais, j'arrivais pas à voir où ils allaient.
On tente le lituanien après. C'est là. Ouais, je redis mes avants. Ouais, Attends, attends, attends. j'attends que le mois passe là pour que le Ton moral. moral aussi, il sera pas à fond ton moral, même après la fin du mois, je pense, hein. T'avances. Y a pas un risque que le polonais rejoigne le combat? Bon, Ah, après, vous si. avez un excellent général avec le Ah, Kazan. il a quitté le siège, c'est pas plus mal. Bah, je me rapproche peut-être. Avec le polonais en plus, pas sûr qu'on la gagne. Je viens avec mes hommes du coup. Bah, t'es en train de piller, dis non, non, donc on peut encore patienter, c'est que ton vassal qui est assiégé, donc Oui, normalement toi qui es le lord. siège est qu'à moins 49, autant peut-être aller piller quelques Non mais points. autant, Mais je crois que vous normalement toi vouliez qui es engager le lord. combat. Bah, si le polonais arrive, ça va être chaud, quoi. Bah avec tous nos hommes rassemblés et les bonus de horde. Peut-être 4, hein, oublie pas. Moi, c'est que du moral que j'apporte, là. Hein. Ah, il remonte, attends. Le polonais remonte, laisse-le remonter. Il s'est immobilisé, il attend. Il attend que Riazan tombe. Ah mais Riazan les bloque, c'est un fort. En fait, ils peuvent pas venir vers vous. Ouais, Ils peuvent pas descendre en non. dessous de Kazimov et des Riazan tout là. Bon bah Du coup, désolé. on tente ou on tente pas? Bon, Il est là? je sais pas, c'est Ah, toi qui. ils vont arriver vite, tes Polonais, hein. Ils vont arriver très très C'est vite, sûr là. qu'on va affronter le poney, hein. La question c'est pas. Toi, t'es Saratov, lord, c'est on en est où? où? Toi, t'es lord, on en est où, là? 83 toujours. Saratov, c'est dans quel coin déjà? Ah, c'est là. J'ai 16 000 prétendants qui pop sur Saratov. Bon, bah, si on n'engage pas, T'es je où? veux aussi. Saratov, Saratov. c'est juste à droite de Tambov. Deux provinces à droite. J'y vais, j'y vais. J'ai pas recruté un mercenaire, moi, quelque part? Ah, je viens peut-être intégrer dans l'armée sans faire gaffe. Oui, le mercenaire est pas à Saratov, t'as dit bien. Ah ça y est, la guerre civile est terminée. Oh, plus 3 de stab. 18 et de la horde et 3 de stab. Ah bah voilà. Et ils vont quand même pop, hein, les prétendants. Par contre, l'événement reste, je pense. Oui, j'imagine, oui. 16 000, hein, qui vont pop à Saratov. Oh, il y va, il y va, il y va, il y va. Attends. Lance pas les ventes, lance pas les ventes. Il y va. Je Il y a suis les sur la Polonais voie, qui hein. descendent, il y a les Polonais qui descendent par Oka là. C'est-à-dire tu les vois? Ouais. Là, il faut attaquer les Lituaniens, en gros, hein, quand le poney va assiéger, Quand hein, le les gars. polonais sera loin, oui, quand il débute le siège, ouais. Est-ce que... Attends, je comprends pas. Pourquoi les provinces que m'occupent les fanatiques orthodoxes, pourquoi elles changent pas de religion? Ça marche comme ça, si? Bah, ils en ont pas parlé. Pourquoi Et ça maintenant, ça marcherait plus marche comme comme ça? ça. Mais attends, dans la GPO, le portugais, il a bien changé de religion en laissant les rebelles sunnites convertir tout son pays. Et plus de 50% du pays en une fois. Et là, tu peux prendre la Oui, non, décision qui est oui, après mais aussi. là, il ne convertit pas les provinces. Le Ah, polonais vient m'attaquer. j'allais dire, il sait ou pas là? Non. Il me poursuit. Il vient m'attaquer. Il va le faire. Je peux rester à Ah, Kharkov? C'était là, tu viens? Il m'attaque. Bon, bah voilà, je il va l'avais dit, hein. m'attaquer. Viens, 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 Sanin. Viens, viens, il peut Ouais, pas, il peut pas. j'arrive. J'arrive, mais si en fait j'ai Kenna Non, déjà. annule, annule, ça. Oula, passe par vous comme. Bon.